Préparez-vous à un festin de saveurs authentiques avec notre recette de boulettes en sauce à la grand-mère. Dans cet épisode, nous vous guiderons à travers les étapes simples pour recréer ce plat vedette qui vous transportera dans la cuisine traditionnelle à chaque bouchée. Ne manquez pas l'occasion de sublimer votre cuisine avec cette délicieuse recette. Pour la préparation de cette délicieuse recette, pour 4 personnes, nous avons besoin de ces ingrédients. 500 g de viande hachée de bœuf. 2 cuillères à soupe de chapelure. 2 gousses d'ail. 1 œuf. 1 oignon. 50 g de farine de blé. 2 carottes. 150 ml de tomates. 200 ml de bouillon de viande. Farine de blé, pour enrober les boulettes. Huile d'olive. Feuilles de persil. Poivre noir. Sel. Dans un grand bol, mélangez la viande hachée avec la chapelure, les gousses d'ail hachées, l'œuf battu et assaisonné avec du sel et du poivre selon votre goût. Formez de petites boulettes et enrobez-les légèrement de farine de blé. Chauffez de l'huile d'olive dans une grande poêle à feu moyen. Faites dorer les boulettes de tous les côtés jusqu'à ce qu'elles soient bien cuites. Retirez et réservez. Dans la même poêle, ajoutez l'oignon haché et les carottes en rondelles. Faites cuire jusqu'à ce qu'ils soient tendres. Ajoutez la farine de blé et mélangez bien pour former un roux. Versez la tomate et le bouillon de viande, en remuant constamment jusqu'à obtenir une sauce homogène. Placez les boulettes dans la sauce et laissez mijoter à feu doux pendant environ 15 minutes, permettant ainsi aux saveurs de se mélanger. Servez les boulettes en sauce bien chaude, saupoudrées de feuilles de persil frais, et accompagnez-les de votre garniture préférée. Et voilà! Maintenant, savourez ce plat qui rend hommage à la tradition culinaire à chaque bouchée. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour plus de recettes irrésistibles. Bon appétit !